Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Parmi les figures mythiques les plus connues de l'histoire ancienne, de l'époque sumérienne, qui ont œuvré à la libération des Lyriens ou des populations terrestres, Ishtar demeure l'une des plus célèbres. Cette même personnalité est la réincarnation de personnages tout aussi importants. Inyanya, l'ancienne déesse sumérienne de l'amour, de la sensualité, de la fertilité, de la procréation ainsi que de la guerre, elle fut plus tard identifiée par les Akkadiens et les Assyriens comme la déesse Ishtar, et elle apparaît dans le célèbre poème sumérien Babylone, l'épopée de Gilgamesh, vers 2700 à 1400 avant Jésus-Christ. Elle est également Soska chez les Hittites et Astarté dans la mythologie phénicienne. Elle est la déesse Aphrodite chez les Grecs, traditionnellement associée à Inyanya. Elle représentait aussi la deuxième planète du système solaire, Vénus, l'étoile du matin et celle du soir, l'associant de fait avec la déesse romaine éponyme. C'est la même femme qui réapparaît à différentes époques sous des noms et des identités différentes. L'une d'elles, la plus connue, est celle de Marie-Madeleine. Les femmes à cette époque n'avaient pas le droit à la parole publique. C'est elle qui est illuminée et qui faisait passer son savoir par l'intermédiaire de Jésus. C'est elle la conscience christique, cristalline et divine. Mais parce qu'elle était femme, son rôle a été effacé des registres. Je suis Tim de Space News. Nous ouvrons avec ce cinquième volet, consacré aux femmes, un pan de l'histoire humaine terrestre ancienne et la vraie histoire d'Ishtar, son statut de femme puissante et célèbre en tant que pilote extraterrestre, généticienne et illuminée. L'original Ishtar est une extraterrestre appelée Ishta. C'est une reine de la très ancienne race des Patals. Ces derniers se sont éloignés de leur univers originel car ils ne partageaient pas les valeurs de leur société orientée vers soi alors qu'ils souhaitaient qu'elle le soit vers les autres et les peuples. Ils ont constitué un genre de société que l'on pourrait appeler séparatiste et ils se sont installés dans la constellation de la Lyre, puis au fil de leur découverte dans les Pléiades. La reine Ishta s'installa sur la planète Héra pour échapper à ses persécuteurs qui habitaient la planète voisine Témère. Comme elle était très active et voyageait entre la Terre, en Asie et les régions de l'Inde où elle apprit et transmit ses techniques de méditation, la Mongolie, la Chine et le Japon, elle cacha sa fille dans une maison isolée dans la montagne pour la protéger pendant ses absences des attaques de ses ennemis. Sans vraiment le rechercher, mais à cause du fait qu'elle soit illuminée, ce qu'elle dit remet en cause les croyances, les religions et le pouvoir de l'époque. Elle instruit les populations pour les rendre conscientes de leur vraie réalité, mais elle est sans cesse poursuivie, attaquée et persécutée. Qui était donc vraiment la mythique Ishtar? L'interstellarité, dans les temps anciens, était présente au quotidien. Contrairement à aujourd'hui, elle faisait partie de la vie courante. Les vaisseaux spatiaux sillonnaient le ciel et nombre de mythes ou peintures anciennes en font mention d'une manière ou d'une autre. Il y a 10 000 ans, Ishtar, en tant que pilote extraterrestre et son vaisseau spatial, en forme de flèche, équipé de technologies déjà très avancées, fait partie de cette histoire. Avant de vous la présenter, telle que vous ne la connaissez pas encore, et pour la replacer dans le contexte de l'époque, je vais faire un résumé succinct
des 12 pages du 4e chapitre de mon livre « Artificiel » qui est intitulé « Ère protolunaire et post-lunaire ». Je vous invite à le lire pour vous aider à découvrir la vraie histoire de la Terre comme elle m'a été transmise par Zen, mon principal contact extraterrestre, avec lequel j'ai eu des conversations écrites en live et en audio, comme on parle à un ami au téléphone. Ce que je partage sont donc des données extraterrestres. Pendant des guerres extraterrestres qui ont duré des millions d'années, qui sont appelées la Grande Expansion ou les guerres lyriennes et d'Orion, un affrontement entre des forces ennemies eut lieu sur Mars. Les tirs plasmiques et électromagnétiques étaient si puissants que l'onde de choc a affecté tout notre système solaire. Une planète appelée Tiamat, qui était située entre Mars et la Terre, a été touchée car elle était la plus proche et elle a commencé à se désintégrer au fil des siècles. C'est elle que les anciens appelaient le soleil du matin. Ces morceaux font maintenant partie de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve de nos jours entre Mars et Jupiter. Notre système solaire a été extrêmement bouleversé et la Terre a été presque détruite au fil d'une très longue période, essentiellement à cause de la désintégration au fil des siècles de la planète Tiamat, ce qui a engendré sur Terre des phases chaotiques, géophysiques et météorologiques. L'humanité a été en voie d'extinction totale et elle a presque complètement disparu, au point que d'après Zen et d'autres contacts extraterrestres, il ne restait plus qu'une seule femme sur Terre. Les données de Zen ont été confirmées par les recherches scientifiques, entre autres d'Immanuel Velikovsky, ami proche d'Einstein, psychiatre et écrivain russe qui est né en 1895. Il suivit une partie de ses études de médecine à Montpellier, en France, avant d'émigrer aux USA. En 1940, alors qu'il travaillait sur le thème de l'amnésie collective, il compara des chronologies des civilisations égyptiennes et hébraïques en prenant l'Exode comme point de repère. L'Exode serait la conséquence d'une catastrophe planétaire dont il retrouvait les traces dans de nombreuses civilisations. Il souligne l'universalité du cataclysme qui est rapporté en Chine pendant la dynastie des Yao, en Polynésie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Inde, en Europe, par des peuplades qui occupaient les différents pays d'Europe et chez les aborigènes d'Australie. Il y a donc à cette suite d'événements un caractère planétaire car ils ont atteint tous les pays. Les catastrophes mentionnées dans les textes anciens, le déluge, les énormes quantités d'eau, les pierres de la taille d'une maison qui volaient dans les cieux, les pluies de météorites, la poussière rouge, le goût, cette substance visqueuse et ferrugineuse qui tombait sur Terre, ne sont pas les conséquences naturelles d'une collision avec une météorite ou avec une planète plus petite. Ce sont les conséquences d'une guerre et de conflits violents entre les différentes lignées extraterrestres ennemies. C'est à partir de ces événements et du chaos constaté sur Terre, ainsi que la destruction d'une très grande partie de la biodiversité, de la flore, de la faune et surtout des humains, que la Fédération Unie des Planètes, composée à l'époque de 12 sièges et donc de 12 lignées extraterrestres principales, vota dans son ensemble la création d'une bibliothèque biologique qui rassemblerait tous les ADN de la faune, de la flore
et de l'humanité terrestre et des codes de la Terre. Je rappelle à toutes fins utiles que la Fédération Unie des Planètes, qui s'est ensuite appelée la Fédération Galactique ou la Fédération Galactique des Mondes, a été dissoute et a été remplacée par le consortium bipartite, un rapprochement entre terriens et extraterrestres. La personne la plus apte à prendre en main et à mener à bien ce projet gigantesque était Ishta. Elle s'est proposée et a été reconnue comme l'experte la mieux à même de mener à bien ce projet parce qu'elle était non seulement généticienne, mais aussi pilote expérimenté d'un vaisseau spatial doté de technologies très avancées et elle avait l'habitude de faire des sauts entre les lignes de temps. Après que la Fédération Unie des Planètes lui eut fait la demande pour cette bibliothèque du vivant terrestre, composée de tous les échantillons génétiques, Ishta prit la direction du projet. Elle commença à constituer un groupe de 12, donc ils étaient 13 en tout. Elle se mit ensuite à créer 3 exemplaires de cette bibliothèque. Un premier prototype, suivi de la bibliothèque finie, et d'une copie. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Ishta était généticienne, exo-anthropologue et archéologue qui cherchait à découvrir le passé des civilisations primitives afin d'y implanter de nouveaux concepts et connaissances pour aider à leur développement. Elle avait appris la génétique auprès des étortants, les grands gris à nez plat, originaires de la planète Étor, qui orbitent autour du soleil Alpha Orionis, que l'on appelle aussi Bételgeuse dans M42, la constellation d'Orion. Experte dans ce que l'on pourrait appeler la génétique fréquentielle et la génétique holographique, elle a aidé à beaucoup développer les lits médicaux et surtout les capsules d'immersion et de mise en stase qui ont depuis lors permis à de nombreux émissaires extraterrestres, les Homo Stellaris ou Starseeds, de transférer leurs fréquences dans des corps physiques terrestres, souvent depuis la naissance, pour exécuter des missions sur Terre, notamment pour la rééquilibrer et participer à la transformation des populations humaines sur Terre. Elle a été impliquée dans de multiples opérations pour libérer certaines civilisations ou des planètes d'espèces envahissantes ou de lignées régressives, se spécialisant dans l'élimination du contrôle mental négatif par stratégie neuronale avancée et en guidant les populations de manière constructive. Elle a été repérée en 10500 avant Jésus-Christ, alors qu'elle collaborait avec les forces de l'UFOP. Elle fut blessée lors des confrontations sur Mars et se retira du front. Échappant à la persécution des forces obscures et négatives, elle se cache avec sa fille dans les forêts près du lac des Hauts Plateaux, sur la planète Hera, qu'elle aide à développer, près de la montagne Pic de la Mer, qui ressemble tant par sa forme que par son nom, au mont Cervin en Suisse. Elle ne résida sur Hera que temporairement et uniquement pour échapper à ses persécuteurs, qui sont aussi originaires d'une autre planète dans les Pléiades appelée Temer. Sa vraie origine est une race royale appelés les Ptales, les Patales, bénévoles et hautement spirituels, l'une des plus anciennes races qui est venue d'un autre univers et qui donna naissance au fil des générations aux Thales dans la constellation de la Lyre, puis qui s'installèrent dans l'amas des Pléiades. Ishta était en total désaccord avec les actions des femmes Thales des Pléiades, cette nouvelle race, dominatrice et régressive, et elle décida de rejoindre la Fédération Unie des Planètes
dans une base spatiale andromédienne appelée Viera. Le vaisseau a 30 000 ans d'âge, qu'elle considère dorénavant comme sa nouvelle identité et sous un nom différent. Ce point m'a été confirmé en 2017 par mon contact andromédien, Morané. Elle fut bannie et considérée comme une traître à sa planète et son système. Elle est encore de nos jours sur Terre où elle s'est incarnée pour se cacher. Et elle est toujours persécutée par un groupe de femmes, Thal, qui manipulent des contacts éthériens. Lorsqu'elle s'est opposée à eux sur Terre, ils ont fait ce qu'ils font toujours, ils ont essayé de la discréditer et de la persécuter. Elle est ici de nouveau en ces temps difficiles pour aider à la transition et provoquer le passage en 5D. Elle est connue également pour ses pouvoirs psychiques, sa télépathie et la grande sagesse ancienne qu'elle a acquise au fil du temps et qu'elle exprime ouvertement et clairement. Elle a deux enfants, une fille en 5D qui est décédée et un fils en 3D. Dans l'histoire, bien que les mythes diffèrent beaucoup et sont toutes des interprétations incomplètes de la même personne, sur Terre, elle a été en contact et a influencé plusieurs grandes cultures, principalement au Proche-Orient et en Extrême-Orient. Elle a également travaillé aux côtés des peuples Enki et Enlil. Pour les extraterrestres, Enki et Enlil sont des peuples, pas des personnes, en poursuivant les mêmes objectifs hautement éthiques. Étudions maintenant ces symboles terrestres. Sur ces deux représentations, notez qu'elle a deux ailes, deux clés, une dans chaque main, deux chouettes ou hiboux, deux lions, deux pattes de faucon, des serpents sur la tête et qu'elle est assise. Voyons leur interprétation réelle d'un point de vue stellaire en suivant numérotation. Premièrement, pattes de faucon. Ses pieds sont représentés par des pattes de faucon parce que dans l'Égypte ancienne, les capacités ou les attributs des personnes étaient représentés symboliquement par des animaux. Ce que le faucon représente est la vitesse de déplacement des vaisseaux et la capacité de percevoir les choses depuis de longues distances, comme avec un senseur plasmique. Les faucons sont les plus rapides en piqué. Leur vitesse est estimée à 497 km/h. Leurs yeux ont deux fovéas et trois zones de vision normale et lointaine. Ils peuvent apercevoir un oiseau en vol à 6 km. Leurs serres sont puissantes. Dans cette sculpture, les serres saisissent les deux lions de l'Égypte qui avaient à l'époque deux sphinx. L'un des deux a été détruit. Deuxièmement, les lions. Ils représentent l'Égypte et les forces du pouvoir égyptien qu'elle contrôle. Troisièmement, Ishtar ou Isis est en position assise. On voit souvent Ishtar agenouillée ou assise. La symbolique du faucon est utilisée pour montrer qu'elle peut voler silencieusement et rapidement avec son vaisseau spatial et faire des piquets. Mais comme aucun oiseau ne vole en position assise, ceci indique que c'est une personne assise dans un cockpit pilotant un vaisseau spatial. Cinquièmement, les chouettes ou les hiboux, tous les deux correspondent à deux vaisseaux spatiaux principaux ou à deux flottes. Les yeux représentent des trous de verre et portails. Ceci signifie qu'Ishtar peut contrôler le temps, faire des manipulations temporelles et traverser des lignes de temps. La chouette ou le hibou représente aussi la sagesse, tout autant que les serpents sur sa tête. Sixièmement, les serpents sur la tête, l'utilisation de la symbolique du serpent signifie beaucoup de choses. Neuf serpents représentent les neuf systèmes solaires des Pléiades, Alcyone, Atlas, Célaeno, Electre, Mia, Mérope, Pléione, Stérope et Astérope et Tégète. Les serpents représentent également des brins d'ADN
et la capacité d'Ishtar de la modifier, car elle était une experte généticienne. Elle ne modifiait pas les gènes dans un laboratoire, mais en utilisant l'esprit, la logique et la conscience. C'est pourquoi l'ADN est sur sa tête. Et en 6 bis, le mot genèse vient du grec ancien, gène eshtae, gène d'Ishtar, ce qui veut dire aussi venir au monde, la naissance et la création. Les serpents représentent aussi les femmes. Dans l'Égypte ancienne, la femme était symbolisée d'abord par un serpent, puis par une petite femme assise. Les serpents, parce qu'ils sont associés à l'ADN, et la femme pour ses gènes, par conséquent les concepteurs, les créateurs et la sagesse. Le vaisseau spatial. Le serpent sur la tête ou sur le front signifie un vaisseau qui sort du chakra, portail frontal, et de la lumière. Faire sortir un serpent de la tête signifie qu'il détient la sagesse et la connaissance et la transmet, ou que Ishtar est elle-même le portail, la lumière, donc par extension un dieu ou une déesse. Le taureau correspond à la constellation du taureau M45, où se trouve la main des Pléiades, et à l'ère du taureau. Pour Ishtar, il représente le soleil et le culte du soleil du côté du polythéisme égyptien ancien, avec une multiplicité de dieux et de divinités. Huitièmement, deux clés, une dans chaque main, sont les symboles de la vie ou de la force vitale, mais c'est également la clé de séquençage de l'ADN. Mais ce symbole représente aussi quelque chose que personne à part des pilotes d'avion ou de vaisseaux spatiaux connaissent. Vous ne pouvez bien entendu pas le savoir, mais les commandes d'un vaisseau spatial individuel ressemblent à cette commande. C'est la clé de commande et le stick de pilotage d'un vaisseau spatial. Voici un exemple dans la cabine de pilotage du Supermarine Spitfire MK9 utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Même encore de nos jours, sur les vaisseaux spatiaux extraterrestres, cette clé permet d'allumer le moteur et de naviguer dans l'espace, tout comme la commande de cet avion lui permet de le démarrer et de naviguer dans les airs. Bien sûr, au fil du temps, cette clé, cette commande a été stylisée, tout comme vous utilisez une clé pour démarrer le moteur de votre voiture, c'est une clé de démarrage et la commande manuelle d'un vaisseau spatial. Revenons maintenant aux trois bibliothèques qu'Ishtar a créées. Elles sont appelées successivement Arche de Michael, Arche d'Alliance et Arche de Gabriel. Les arches sont des conteneurs qui contiennent tous les grands codes génétiques, faune, flore et humains, de la Terre. Ce ne sont pas des boîtes vides ou des conteneurs réfrigérés pour garder la biologie vivante. Ce sont des dispositifs nanotechnologiques de haute technologie capables de reproduire les fréquences de l'ADN tout autant que de se défendre contre tout ce qui peut menacer leur intégrité et leur précieuse cargaison. Les arches peuvent communiquer grâce à leur intelligence artificielle intégrée avec des vaisseaux spatiaux extraterrestres désignés par reconnaissance de leur ADN à eux, notamment celui d'Ishtar, ainsi qu'avec les forces alliées du consortium bipartite. Ils peuvent repousser ce que l'intelligence artificielle considère comme des menaces, et c'est ce qui a amené les terriens à dire qu'elles sont protégées par Dieu et qu'elles possèdent d'étranges pouvoirs divins. Pendant toutes ces années d'intervention et d'accomplissement de sa mission sur Terre, Ishtar vivait essentiellement dans son vaisseau. Elle faisait des allers-retours entre différentes planètes, et elle allait de la Terre vers Tiamat, vers Sirius et Jupiter, car elle travaillait beaucoup avec les Syriens et les peuples d'Enki et Enlil.
De manière stratégique, elle avait défini qu'il fallait garder une bibliothèque dont elle était la gardienne sur son vaisseau et deux autres exemplaires sur Terre qui devaient être gardés dans des endroits hautement sécurisés. L'arche de Michaël était le prototype qui était gardé par Ishtar elle-même à bord de son vaisseau. Elle fut appelée Michaël parce que le christianisme a modifié les événements en supprimant toute mention de la femme. C'était en vérité l'arche d'Ishtar ou Isis, parce que c'est elle qui a gardé la biologie de la terre pour empêcher la destruction pendant le cataclysme prévu et à venir. Cette arche est encore gardée et protégée par Ishta, la stellaire, elle-même, dans un endroit tenu secret. L'arche d'alliance était le premier exemplaire tiré du prototype. Elle fut cachée dans la base égyptienne de la Fédération Unie des Planètes, qui est localisée sous la pyramide de Gizeh. Le mot « alliance » dans le titre signifie la Fédération Unie des Planètes. Je ne suis pas certaine de l'endroit où elle se trouve actuellement, peut-être dans la zone 51 ou sous le Pentagone. L'endroit où les Américains ont obtenu la leur et l'Égypte. Regardez le film « Les aventuriers de l'Arche perdue » qui est sorti en 1981 pour avoir des détails plus complets car il est inspiré par l'histoire de l'Arche d'Alliance. Les militaires américains ont essayé de récupérer les technologies car ils ne savaient pas à l'origine ce qu'elles contenaient. Ils l'ont détruite en essayant de le faire. L'Arche de l'Alliance n'est donc plus fonctionnelle. L'arche de Gabriel, cet exemplaire est appelé Gabriel parce que c'est un extraterrestre appelé Gabriel qui a caché l'arche après que la Fédération lui en ait confié la mission. Il l'avait d'abord cachée à Alt-Ur, sous le ziggourat de Ur, qui faisait partie de l'une des premières villes de l'ancienne Sumer en Mésopotamie, actuellement l'Irak, région très antique, qui fut aussi le berceau du roi Yu, le contrôleur des eaux du déluge en Chine, autre preuve que le déluge était mondial. L'arche de Gabriel y fut conservée pendant des milliers d'années par les musulmans jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Après l'avoir découverte, ils l'ont transportée à la Mecque, qui est le lieu de naissance du prophète Mahomet, et l'endroit où Gabriel a révélé les textes sacrés du Coran. Et c'est cette arche qui aurait parlé à Mahomet et qui lui aurait confié la tâche d'être son gardien et qui fut ensuite la raison principale de la construction du cube noir 666 à la Mecque. L'arche de Gabriel a été sous le contrôle musulman jusqu'en 2015 lorsque la Russie a fait un échange secret et l'a emmenée pour la protéger à la base souterraine de Vostok, au pôle sud, loin des foules, anticipant probablement l'effondrement social des années 2017 à 2022 et les changements climatiques ou le niveau de l'eau qui monte. Ce fait a été relaté dans de très nombreux articles dans la presse et vous pouvez consulter l'un d'eux en utilisant l'URL mentionnée en bas de l'image. Mais il y en a beaucoup d'autres. Bien entendu, je ne promeus pas les théories de la conspiration, ni n'y adhère. Je vous transmets simplement ce qui a été raconté par Zen, mon principal contact extraterrestre. Dans ce cas, il s'avère que le transfert a bien été fait. Le président russe Vladimir Poutine aurait dépêché le navire de recherche navale, l'amiral Vladimirski, sous escorte de plusieurs autres navires de guerre
pour récupérer l'arche dans la ville portuaire saoudienne de Djeddah, la porte d'entrée de la Mecque, pour l'emmener dans l'Antarctique. Deux satellites de combat russes ont été lancés pour protéger l'amiral Vladimirski et sa précieuse cargaison, et une flotte de navires de guerre russes, un remorqueur de sauvetage et un pétrolier effectuant des manœuvres dans l'océan Indien ont reçu l'ordre de l'accompagner. La station Vostok est située à une altitude de 3488 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est la station scientifique la plus isolée du continent antarctique. Une distance de 1253 km la sépare du pôle sud, géographique, et la côte la plus proche se trouve à 1260 km. L'arche de Gabriel est la seule arche qui soit encore fonctionnelle. Les Russes sont donc les détenteurs de la seule et unique arche encore active et fonctionnelle sur la planète, et ils sont les seuls gardiens de l'entière biologie de la planète Terre si une catastrophe majeure ou une extinction de masse devait se produire. Avant de clore cette présentation, je rappelle que le prochain et dernier direct entièrement consacré au sponsor aura lieu le dimanche 27 novembre à 17h sur YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour le sixième et dernier volet de cette série consacrée aux femmes galactiques et ce que vit et ressent un extraterrestre homme qui vit au sein d'une société matriarcale où ce sont les femmes qui ont le pouvoir et non les hommes. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.